Bonjour, je suis Michel Aubert, je suis responsable des espaces verts de la ville de Maurepas. Donc nous sommes sur le site des serres où sont produites toutes les fleurs qui sont dans nos ronds-points. Donc tout est produit ici. On fait en moyenne 15 à 16 000 fleurs. Voilà. À côté de moi, il y a Nathalie qui va se présenter. Nathalie Châtelain et je suis responsable chargée de la production florale. Nous allons vous présenter différents ateliers. Un atelier de semis. Ensuite, un atelier de repiquage, un atelier repiquage-rempotage. On vous parlera également de comment faire des boutures. On peut refaire ça chez soi. Et ensuite, on parlera de la protection biologique intégrée dans les serres. Donc Nathalie, là, va vous montrer comment préparer une terrine pour faire du semis. Alors, Nathalie, dans un premier temps, elle met dans une terrine, donc ça s'appelle une terrine, elle met du terreau épais en fond pour le drainage. Ensuite, elle met du terreau un petit peu plus fin. Elle va remplir donc la terrine. Donc ensuite, une fois qu'elle a mis son terreau épais en fond, on a remis du terreau un petit peu moins épais sur le dessus. Et là, elle le met du terreau qu'on tamise de manière à ce que les graines soient en contact avec de la terre fine, avec du terreau très fin. Voilà, on peut voir les différences de terreau, la différence de grosseur entre celui-ci, le deuxième, voilà, et puis le premier qui a été mis, qui est comme ça, bien plus épais. Voilà. Donc, ensuite, elle a bien nivelé le terreau dans la terrine. Elle se sert d'une batte comme ceci, voilà pour tasser, ça s'appelle une batte. Donc Nathalie, explique pourquoi tu tasses plus sur les côtés que sur le milieu. En fin de compte, je fais des côtés plus bas pour quand la terrine va être mise dans l'eau, que l'eau s'écoule de chaque côté, qu'elle ne reste pas, qu'elle stagne pas. Maintenant, je vais faire le semis. Alors, l'intérêt, là, c'est du semis d'œillets. Donc, comme on peut le voir, elle le sème à la main, pas à la volée dans tous les sens. Elle essaye de faire un semis, que les graines soient assez écartées, de manière que quand ça va lever, que les plantes ne soient pas trop serrées. Donc là, on voit bien que les graines ne sont pas touche-touche. Voilà. Donc, la terrine, là, est terminée. Le semis est terminé. Comme on peut le voir, les graines sont assez espacées. Une fois que ça s'est terminé, Nathalie, elle reprend un deuxième tamis qui est beaucoup plus fin que le premier. Voilà. Le but, c'est de recouvrir légèrement les graines. Alors surtout, il ne faut pas qu'elle soit trop recouverte parce que pour la germination, ce n'est pas très bon. Une fois ce travail effectué, on reprend la batte, un petit coup dessus. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à faire tremper la terrine dans de l'eau par immersion. Trois semaines après, ça donne ça. Trois semaines, un mois après. Donc, on voit bien que le fait d'avoir semé espacé, que les plantes se sont bien développées, elles ne sont pas étiolées. Voilà, comme on peut bien le voir là-dessus.